السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جماعت احمدیہ یو کے کے جلسہ سالانہ کا دنیا کو بڑا انتظار رہتا ہے Il est facile de venir ici et les représentants internationaux sont présents en plus grand nombre à la Jalsa du Royaume-Uni comparé à d'autres pays. En tout cas, la Jalsa Salana du Royaume-Uni a son importance propre et nous en avons fait le constat. Et par la grâce de Dieu, cette Jalsa s'est terminée avec succès. Alhamdulillah. Après le sermon, après la Jalsa, dans le prochain sermon, j'évoque deux sujets. Tout d'abord, il y a le sujet de la reconnaissance due envers Dieu. Ainsi donc, on prouve sa reconnaissance envers Dieu et on prouve aussi sa reconnaissance envers les bénévoles. Ensuite, j'attire l'attention concernant certaines lacunes, certaines faiblesses, des choses dont on fait le constat au cours de la Jalsa, afin que, à l'avenir, la situation soit meilleure, afin que l'on puisse se débarrasser de ces faiblesses. En ce qui concerne la question de la reconnaissance envers Dieu, cette année-ci, par la grâce de Dieu, de partout, Dieu a accordé ces occasions à la Jamaat, à savoir des occasions afin que l'on puisse transmettre le message de l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Et on arrive à transmettre ce message à des personnes qui apparemment étaient difficiles de contacter. Ainsi donc, la Jamaat a eu l'occasion de transmettre ce message même à ces personnes. Moi-même, j'ai fait plusieurs tournées dans différents pays et ainsi nous avons vu les faveurs de Dieu. J'en ai fait mention au cours de ces tournées, même après dans les sermons qui ont suivi ces tournées. En tout cas, c'est là une chaîne de faveurs que Dieu a accordée à la Jamaat. On a vu cela en Europe, aux Amériques aussi et même au Royaume-Uni. Nous avons donc participé dans la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Toute personne a ressenti cela. Nous avons vu cela. Nous avons récolté ses faveurs. Quotidiennement,
À chaque instant, Dieu nous a montré de nouveaux moyens pour prouver notre reconnaissance envers lui. Ainsi donc, nous devons marcher sur les voies de la reconnaissance de Dieu. Et après chaque faveur est un signe de l'aide de Dieu. Et nous devons toujours prouver notre reconnaissance envers Dieu suite à cela. Et en raison de cette reconnaissance envers Dieu, nous devons aussi être les héritiers davantage de faveurs de Dieu. La promesse de Dieu est que si nous sommes reconnaissants envers lui, il va nous accorder davantage de faveurs. Il déclare la In shakartum la azidannakum. Dieu accorde des faveurs. Et Dieu accorde des moments pour que l'on puisse, qu'il puisse nous accorder ses faveurs. C'est l'homme qui, en raison de son ingratitude, dans certains cas, se prive de ses faveurs divines. Ainsi donc, cette reconnaissance apporte des avantages à l'homme lui-même, apporte des avantages aux croyants. Allah est Rani, il est indépendant. Il n'a pas besoin de personne. Il n'a pas besoin d'aide de la part de personne. Et il n'a pas besoin de faveur non plus. Et il n'a pas besoin de la reconnaissance de la part des hommes. Dieu est la source de toute richesse, de toute puissance. Ainsi donc, notre reconnaissance envers lui, et il n'a pas besoin de notre reconnaissance envers lui. Mais lorsqu'Allah accorde des faveurs aux hommes, il regarde aussi si les hommes sont reconnaissants envers lui ou pas. Si les hommes sont reconnaissants envers lui, eh bien, les faveurs divines vont s'accroître dans le Saint-Coran. Par exemple, à propos de Hadrat Suleyman, il est dit qu'il a, lorsqu'il a regardé les faveurs de Dieu, il a prié en ce sens. Afin que Dieu m'éprouve si je suis reconnaissant envers lui ou si je suis ingrat envers lui. Et quant à celui qui est reconnaissant envers Dieu, eh bien, il est reconnaissant envers son propre âme. C'est dans l'avantage de son âme. Mais si il est ingrat, eh bien, mon Dieu est indépendant, il est gracieux. C'est lui qui accorde des faveurs. Ainsi donc, cette reconnaissance est là pour que nous puissions démontrer nos qualités morales. Si nous allons prouver notre reconnaissance, nous allons progresser dans nos mœurs. Mais un homme de ce bas monde, malheureusement, lui, il oublie Dieu lorsqu'il reçoit des faveurs. Lorsqu'il est dans la joie, il oublie Dieu. Auparavant, il peut se souvenir de Dieu, mais lorsqu'il reçoit ses faveurs, il l'oublie. Des fois, son âme lui dit que ces succès que tu as reçus, tu les as reçus grâce à tes efforts. Cela, tu les as reçus grâce à tes très bons plans. Tout cela, tu l'as reçu en raison des équipes qui ont travaillé avec toi. Allah déclare dans un autre verset, قَلِلُمْ مِنْ عِبَادِي يَشْكُرُونَ. C'est-à-dire, parmi mes serviteurs, il y a très peu d'entre eux qui sont reconnaissants envers moi. Mais le véritable croyant, certainement, il est reconnaissant envers Dieu. Nous, les Ahmadis, qui avons accepté l'imam de l'époque, nous sommes parmi les serviteurs de Dieu, parmi ces serviteurs de Dieu qui lui sont reconnaissants. Il doit en être ainsi, et les faveurs de Dieu qui sont en train de pleuvoir sur la communauté, ces faveurs sont là pour nous encourager, pour nous faire comprendre que nous sommes parmi ces serviteurs de Dieu en tant que Jamaat. Et en tant que Jamaat, nous sommes de ceux qui lui sont reconnaissants. Et à chaque faveur que nous recevons, nous disons Alhamdulillah. Et ainsi, nous attribuons ce succès à Dieu lui-même. J'ai évoqué donc
la reconnaissance envers les officiers. Et j'ai vu parmi les officiers, même parmi les gens les plus simples, les bénévoles les plus simples, des gens qui sont très émus lorsqu'ils voient leur succès et qui ont les larmes aux yeux et qui toujours attribuent ces succès à Dieu, lui seul. Ainsi donc, tant qu'il y aura parmi nous des serviteurs reconnaissants envers Dieu, tant que nous serons des serviteurs reconnaissants envers Dieu, eh bien, nous allons toujours recevoir ces faveurs. Ces faveurs vont toujours pleuvoir sur nous. Tant que nos langues vont prononcer les paroles Alhamdulillah, et tant que nos cœurs vont toujours être prosternés devant Dieu, tant que nos cœurs vont se prosterner devant Dieu, nous allons recevoir ces faveurs de la part de Dieu. Ainsi donc, tout bénévole, tout officier, toute personne qui a participé dans la Jalsa et tout Ahmadi, tous ceux qui ont regardé la Jalsa grâce à la MTA, tous doivent être reconnaissants envers Dieu. Tous doivent être reconnaissants envers Dieu, prouver leur gratitude envers lui, et tous doivent se prosterner devant lui. Si nous allons nous prosterner en toute sincérité, si nous allons prouver notre reconnaissance envers lui, eh bien, dans la même, avec la même vigueur, nous allons recevoir les faveurs de Dieu. C'est avec cette même vitesse que nous allons progresser. Et nous allons comprendre davantage les attributs de Dieu. Nous allons recevoir ses faveurs divines. Et ainsi va débuter une nouvelle ère de cette reconnaissance envers Dieu. Allah déclare par la suite que quant à ceux qui lui sont reconnaissants, il voit de nouveau si aujourd'hui nous déclarons que les faveurs de Dieu ne cessent de pleuvoir sur la communauté. Et c'est la Jamaat Ahmadiyya qui est en train d'en faire le constat. Sinon, les hommes sont en train de faire des efforts contre la Jamaat Ahmadiyya et ils profitent de leur plus grand nombre. Et nos détracteurs, nos ennemis sont en plus grand nombre. Ils possèdent davantage de richesses. Ils ont plus de moyens. Ils ont plus de moyens matériels. Et les États, les gouvernants essayent de nous anéantir complètement. Et au nom d'Allah et de son prophète, ils sont en train de soulever les masses ignorantes contre nous, surtout au Pakistan, où cet état des choses a atteint son comble. Ainsi donc, aujourd'hui, les ennemis de l'Ahmadiyya ont remué ciel et terre afin de mettre fin à la communauté Ahmadiyya. Si les faveurs divines ne cessent de pleuvoir sur nous, si nous cessons de voir ces signes, eh bien, ces efforts matériels auraient eu du succès. Mais ces sots ne comprennent pas que voilà la jamaat de ceux qui sont reconnaissants envers Dieu. Lorsqu'ils regardent les faveurs de Dieu, eh bien, ils se prosternent par reconnaissance envers Dieu et il attire davantage les faveurs divines. Et lorsqu'ils se lèvent, lorsqu'ils ont reçu ces faveurs, eh bien, lorsqu'ils regardent ces autres faveurs que Dieu leur a accordées, ils se prosternent de nouveau. Voilà donc l'exemple de notre prophète, de notre maître, le saint prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a enseigné de prouver ainsi notre reconnaissance envers Dieu. Dieu est celui qui est le maître de ses trésors intarissables et il ne cesse d'accorder ses faveurs et ses bénédictions. Ainsi donc, il y a toute une chaîne de faveurs que Dieu accorde à la communauté Ahmadiyya. Si seulement nos ennemis auraient pu comprendre cette vérité, s'ils cessent de s'opposer à Dieu en comprenant cela. Cette année-ci, par la grâce de Dieu, Dieu a accordé d'innombrables faveurs. Et où allons-nous trouver cette langue afin de prouver notre reconnaissance envers Dieu? Comment prouver cette reconnaissance envers Dieu? Le Messie premier l'Islam a déclaré, où vais-je apporter cette langue? Comment puis-je te remercier, mon Dieu, pour toutes ces faveurs?
Ainsi, jamais nous ne pourrons prouver notre reconnaissance envers Dieu, mais certainement, nous devons faire des efforts en ce sens. Et nous devons toujours faire des efforts en ce sens, afin que nous puissions recevoir ses faveurs. Qu'Allah fasse que génération après génération, nous comprenions ce sujet et que cela perdure parmi nous et que nos actions puissent démontrer cela. Même si nous regardons superficiellement ces faveurs de Dieu, nous allons voir toute une liste, une longue liste de reconnaissance que l'on va devoir prouver envers Dieu. Toute cette liste va nous demander de prouver notre reconnaissance envers Dieu. En lisant ces rapports, nous constatons qu'il y a ces écoles qui sont en train de progresser, ces communautés, ces écoles qui sont en train de faire des progrès. D'autre part, nous voyons aussi comment des pauvres sont en train de trouver leur guérison dans ces hôpitaux de la communauté et ces pauvres qui sont en train de prouver leur reconnaissance envers Dieu. Dans certains cas, on est en train d'offrir de l'eau potable à des pauvres gens et nous voyons sur le visage de ces enfants d'une grande joie, une joie qui nous pousse à être reconnaissants envers Dieu. Lorsque un enfant de 8 ans, au lieu de faire 4 kilomètres pour apporter de l'eau, trouve de l'eau devant sa porte, eh bien certainement, il est joyeux, certainement cet enfant sera reconnaissant envers Dieu et la Jamaat sera davantage reconnaissant envers Dieu. Dans certains cas, dans les rapports, nous constatons que, par la grâce de Dieu, Dieu a accordé des mosquées à la communauté, Dieu a accordé des centres à la communauté, et nous prouvons notre reconnaissance envers Dieu. Des fois, nous voyons des récits qui ne cessent de faire grandir notre foi, et tout cela nous pousse à prouver notre reconnaissance envers Dieu, et pour propager le message de l'islam. Dieu nous accorde tout ce système et en profitant de cela, nous devons prouver notre reconnaissance envers Dieu. Par exemple, Dieu a accordé d'innombrables facilités à la Jamaat. 20 ou 30 ans de cela, nous ne pouvions imaginer cela. Dans d'autres cas, nous devons prouver notre reconnaissance envers Dieu car chaque année, Dieu est en train de nous accorder année après année de nouveaux pays où sont implantés la Jamaat Ahmadiyya. Et ainsi, l'on se souvient de cette révélation reçue par le Messie Premier Al-Salam, à savoir que je vais transmettre ton message jusqu'aux confins de la terre. Des fois, par centaines de milliers, des gens sont en train d'embrasser l'Ahmadiyya. Et cela nous pousse à être reconnaissants envers Dieu. D'une part, nos ennemis ont lancé cette tempête d'opposition. Mais même parmi ces gens-là, il y a ceux qui sont en train de prouver leur amour envers la communauté. Et ces personnes sont en train d'envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et sur son serviteur parfait qui est le Messie promis. Ainsi donc, ces exactions, ces persécutions n'arrêtent pas la vérité. On a pensé que peut-être qu'il n'y aura pas grand nombre de personnes qui seraient présentes pour la Jalsa parce que les parents seront occupés, il y aura l'école qui allait commencer au cours de ces jours de la Jalsa. Mais Dieu a accordé d'innombrables faveurs et au contraire, et là, Dieu nous a fait comprendre que vous ne devez pas sous-estimer la sincérité de la Jamaat. Ainsi donc, comment pourrons-nous prouver notre connaissance envers Dieu? Tout bénévole, tout participant à la Jalsa est reconnaissant envers Dieu, à savoir que la Jalsa fut un succès. Certains m'ont écrit, certains me disent que comparé à l'année dernière, la Jalsa était mieux organisée, la Jalsa était plus organisée que l'année dernière. Ainsi, comment se peut-il qu'en voyant tout cela, nous ne soyons pas reconnaissants envers Dieu? Et comment se peut-il aussi que nous ne soyons pas reconnaissants envers Dieu? Car
Tout participant de la Jalsa était en bonne santé, tout participant de la Jalsa est retourné sain et sauf chez lui. Voilà donc quelques points que je voulais évoquer. Si je commence à entrer en détail, eh bien cela va prendre beaucoup de temps. Cela va prendre beaucoup de temps et nous allons devoir évoquer toutes ces faveurs divines. En tout cas, c'est toute une chaîne de faveurs de Dieu qui nous pousse à être reconnaissants envers Dieu. Et cela nous pousse à comprendre ce que c'est que la reconnaissance envers Dieu. Et cela est important pour les organisateurs, pour les bénévoles, et cela est important pour tous ceux qui ont participé à la Jalsa. À savoir le fait que d'être reconnaissant envers Dieu, le fait d'être un véritable abd, un véritable serviteur de Dieu. Durant les jours de la Jalsa, il y a eu toute cette chaîne. Toute une chaîne de faveurs qui pousse les hommes à être reconnaissants envers Dieu. Il doit en être ainsi. Et ici, les bénévoles, hommes et femmes, ceux qui travaillent pour la Jalsa, tous sont concernés ici. Par exemple, il y a des bénévoles de différents départements. Il y a ceux qui sont là pour offrir des facilités aux invités, pour offrir des aménités aux invités, le repas aux invités, le transport aux invités. Certains sont là pour offrir le repas aux invités, d'autres sont là pour le nettoyage après le repas. Il y a d'autres qui sont là pour la sécurité. Et la Khuddam ou l'Ahmadiyya est toujours présent pour cela. Cette année-ci, en sus des nouveaux invités parmi lesquels il y a aussi des non-Ahmadis et de grandes personnalités, et tous ces invités ont dit la même chose, à savoir que généralement l'organisation de la Jalsa était meilleure que l'année dernière. Et nous devons être reconnaissants envers Dieu pour cela. Nous devons aussi être reconnaissants envers ces bénévoles qui ont fait de leur mieux pour apporter ces améliorations. Il y a eu beaucoup d'améliorations dans différents départements. Ainsi, voilà notre signe à nous, voilà notre signe distinctif, à savoir que année après année, il y a des améliorations. On ne peut pas garantir qu'à 100% il puisse y avoir de la perfection dans les œuvres que nous accomplissons. On ne peut pas accomplir toute chose à 100% à la perfection. Et aucun homme n'est parfait à 100% à l'exception du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'a pris naissance et qui est parfait. Mais même le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré que Dieu m'a fait parfait dans les choses qui ont trait à la foi, mais il ne m'a pas rendu parfait concernant ces choses à propos desquelles il ne m'a pas guidé. Ainsi donc, en tant qu'être humain, il y aura toujours des lacunes, des faiblesses, des manquements dans nos œuvres. Mais si nous sommes prêts à nous débarrasser de ces lacunes, eh bien, certainement, nous allons apporter des améliorations. Nos efforts, nos œuvres, ont grande importance aux yeux du monde, mais nous devons toujours comprendre qu'il y a toujours une marge d'amélioration. Il y a un chef du Nigeria qui a déclaré que dans de telles situations, vous avez organisé tout cela, vous avez organisé tout cela temporairement, vous avez bâti une ville temporairement. Il ne peut y avoir de choses plus parfaites que ce que vous avez fait, mais certainement, nous sommes reconnaissants envers cet invité. Nous sommes reconnaissants envers Dieu aussi, que lui, de par sa grâce, et uniquement de par sa grâce, il a fait en sorte que cet invité soit content envers nous. Mais nous ne pouvons pas dire que nous avons atteint l'apogée dans nos œuvres. Certainement, nous devons toujours faire de notre mieux. Et cette fois-ci, parmi les invités non-musulmans, non-Ahmadis, et qui étaient venus de l'extérieur, la plupart d'entre eux avaient logé dans les nouveaux bâtiments de la Jamia Ahmadiyya.
au lieu de louer un hôtel ou de louer des salles, ces bâtiments de la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni ont été achetés quelque temps de cela. Ainsi, dans ce bâtiment, on peut offrir des bons logements et ces bâtiments se trouvent dans un lieu très beau. Cela se trouve sur une colline et je dis à ces gens de partir voir ce bâtiment car c'est un très beau bâtiment mais qui n'est pas très éloigné des logements. Mais toute personne loue ses faveurs, cette maison ou ces bâtiments qu'on a achetés. Donc cela fait partie encore une fois de ces faveurs que Dieu nous a accordées. Et par la grâce de Dieu, on a eu ce terrain et ce bâtiment à un très bon prix. C'était un hôtel qu'on avait utilisé auparavant. On utilisait aussi ce complexe pour d'autres conférences. C'est pour cette raison que cela a comblé nos besoins concernant le logement des invités. Ainsi donc, tous nos invités, nos distingués invités, parmi lesquels il y avait des ministres aussi, ils ont logé dans ce bâtiment et ils ont loué l'organisation. Parmi ces invités distingués, certains m'ont dit que même les enfants qui étaient en train d'offrir de l'eau jusqu'au plus grand, cet invité a déclaré que même de cet enfant jusqu'au plus grand, nous avons vu des gens qui étaient là et qui étaient de bonne humeur et qui étaient présents pour servir les invités. Voilà donc les impressions de ces invités. Les bénévoles aussi doivent être reconnaissants envers ces invités car ces invités ont vu uniquement leurs bonnes qualités. Certainement, on a des faiblesses, mais c'est là une des qualités de nos invités qu'ils sont toujours reconnaissants envers leurs hôtes et qu'ils font de leur mieux pour prouver leur reconnaissance envers leurs hôtes. Et ils l'ont fait avec de très bons sentiments. Comme d'habitude, les invités non Ahmadi sont impressionnés par la Jalsa Salana, par l'atmosphère de la Jalsa Salana. Cela s'est fait dans le passé et il en fut ainsi cette année-ci. Et ainsi, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Moi-même, je remercie Dieu et tout Ahmadi doit être reconnaissant envers Dieu. Et je remercie aussi ses bénévoles. Tout participant de la Jalsa doit être reconnaissant envers ses bénévoles qui, matin et soir, ont fait en sorte que cette Jalsa soit un succès. Qu'Allah accorde la meilleure récompense à toutes ces personnes. Ainsi, généralement, la Jalsa et les organisateurs aussi doivent être reconnaissants envers les invités car ces invités ont compris l'objectif de la Jalsa et les invités ont coopéré avec les organisateurs, avec les bénévoles afin que tout ce système, toute l'organisation puisse tourner avec succès afin qu'il n'y ait pas de heurts. Et parmi les invités ordinaires, et bien parmi eux, ceux qui ont loué la Jalsa, ils ont loué les toilettes, la propreté. Et la plupart d'entre eux disaient qu'il y avait une grande propreté dans ces toilettes. Et les toilettes et les salles de bain, il y a eu de l'eau chaude qui a été offerte. Donc cette année-ci, on a offert de l'eau chaude aux invités pour qu'ils puissent prendre de leur bain. Cette année-ci, l'officier de la Jalsa Salana s'est très bien occupé donc de la propreté et il a établi un nouveau système. Alhamdulillah, l'expérience qu'ils ont faite a remporté du succès. Ensuite, il y avait la sonorisation au sein de la Jalsaga et les gens ont loué cela. Le système de son est très très important. Si ce système ne marche pas très bien, eh bien, il n'y aura plus d'objectif pour venir à la Jalsa. Car les gens viennent ici pour écouter les paroles de Dieu et de son prophète. Si il n'y aura pas une bonne sonorisation, eh bien, il y aura une foire, il y aura du brouhaha. Et généralement, du côté des hommes,
on a eu de bonnes nouvelles, c'est-à-dire cela s'est très bien passé dans le chapiteau concernant la sonorisation. Je n'ai pas reçu de déléance de la part des femmes, mais lorsque j'étais présent dans la session des femmes, eh bien, et le système son était très mauvais. Moi-même, je n'ai pas écouté très bien la télawat, les nazam aussi. On doit prendre des précautions à ce sujet. Même quand j'étais assis sur l'estrade, j'ai une seule déléance, c'est-à-dire que on n'entendait pas très bien ce que je disais. Alors que la personne qui a fait cette déléance a dit que peut-être que c'était ma faute à moi, mais je pense pas que c'était la faute de son oreille. En tout cas, le système n'était pas très bon sur l'estrade. On pouvait, dans les quatre coins du chapiteau, entendre ce qu'on disait. On a aussi transmis aussi le son à l'extérieur. De même, on aurait dû faire la même chose sur l'estrade. S'il ne pouvait pas le faire, eh bien, il y avait environ... On n'aurait pas dû placer toutes ces personnes sur l'estrade. Et elles auraient pu s'asseoir en bas et m'écouter. En tout cas, dans le chapiteau des enfants aussi, on doit prendre ces précautions, c'est-à-dire... Il faut qu'il y ait un bon système de sonorisation afin que les mères qui sont présentes avec leurs enfants puissent écouter cela. Généralement, on reçoit des doléances que des fois, on n'arrive à n'entendre rien en raison du bruit alors que l'on pouvait augmenter le son. Donc, si vous avez besoin d'aide technique, eh bien, cherchez des professionnels pour vous aider. En passant, je dois aussi dire que j'avais évoqué la mauvaise sonorisation au cours de la Jalsa Salana du Canada et au cours de la Eid, lorsque dans ces salles, ils ont organisé la Eid dans ces salles, dans ces mêmes salles. Et j'ai reçu des nouvelles de la part des personnes qui étaient présentes là-bas. Par la grâce de Dieu, ils ont apporté des améliorations au cours de la Jalsa, de la Eid. Ils ont pu apporter des améliorations à 80-90%, tout simplement parce que j'ai attiré l'attention des organisateurs. Auparavant, ils n'avaient pas compris cela. Ils ont contacté des professionnels et leur ont demandé d'accomplir ces tâches. Ainsi donc, la sonorisation est très importante. Cela concerne la qualité du son. Nous devons mettre de l'accent sur cela. Et nous ne devons pas faire de compromis concernant le système son. On doit faire de son mieux pour se débarrasser des moindres lacunes. Auparavant, j'ai évoqué le Canada, car à deux reprises, j'en ai fait mention dans mes sermons. Et les organisateurs étaient très inquiets. Et je dois louer s'ils ont accompli quelque chose de louable. Concernant le repas, des fois, dans certains cas, il y a eu du retard. Des fois, les gens devaient attendre pour avoir le repas. Le repas n'était pas prêt, on n'arrivait pas à distribuer le repas. L'officier de la Jalsa Salana doit aussi faire des recherches à ce sujet. Pourquoi est-ce qu'il y a eu de telles lacunes? Ceux qui offrent le repas peuvent offrir le repas lorsqu'ils ont quelque chose à offrir. Les jeunes bénévoles, des fois, eux-mêmes, étaient embarrassés devant les invités parce qu'ils n'avaient rien à offrir. De même, on n'a pas eu de doléances dans ces chapiteaux, mais moi-même, j'étais parti vérifier cela à l'heure des repas. Et j'ai constaté qu'il y avait grand nombre de gens, une grande foule qui devait se mettre debout pour manger. Il n'y avait pas assez de place pour manger. Et dans certains cas, il y avait le repas, la sauce qui tombait sur les vêtements des autres, et cela causait de l'embarras pour les uns et les autres, et des fois cela créait des troubles aussi. C'est pour cette raison que les organisateurs doivent prendre des précautions et doit faire en sorte que les chapiteaux où l'on offre le repas soient plus grands. Si on ne peut pas faire des économies au détriment des invités, on a reçu de très bons rapports de la part des femmes, mais il y avait le département de l'hospitalité qui était sous top shield parmi les dames. C'était un département central.
Et j'ai reçu quelques plaintes à ce sujet, c'est-à-dire qu'il y a eu une trop grande sévérité et on a maltraité les Arabes aussi, ou certaines personnes, c'est-à-dire qu'on ne traitait pas très bien, on n'avait pas bien accueilli certains invités. Il y avait une invitée de Singapour qui était venue le matin et qui, pour quelque raison, avait un sac dans sa main et on a été sévère envers elle. On aurait pu le faire de manière beaucoup plus aimable, de ne pas prendre son sac, de le garder dans un coin. Mais en tout cas, les organisateurs de la Jalsa, le département du Tabshir aussi est coupable ici et ils doivent demander pardon à ces personnes et doivent faire l'istighfar. Parmi les Arabes ont des difficultés concernant la langue et les autres aussi ont des difficultés de communication. Ceux qui viennent du Singapour, de l'Indonésie, les hommes et les femmes ont des difficultés car il y a une question de communication. Ils n'arrivent pas à parler la langue d'ici et pour cela, on doit prendre de grandes précautions. Il y avait une doléance qu'on recevait en grand nombre auparavant et cette année-ci, on n'a pas reçu de telles complaintes. C'est-à-dire que lorsque certaines mères prenaient leurs enfants pour partir dans le chapiteau principal, au lieu d'arrêter les mères, on tirait les enfants et on les tirait à l'extérieur. Voilà comment agissait le département de la discipline. C'est un mauvais comportement. Si vous agissez ainsi, vous allez détourner l'attention des enfants. Même si un enfant de 5 ans vient dans le chapiteau, il n'y a pas de grandes difficultés. Généralement, les enfants de 5 ans ne font pas de grand bruit. Ces enfants sont maîtrisés par les parents. Surtout, les jeunes filles ne font pas beaucoup de bruit. En tout cas, si ces enfants font du bruit, eh bien, demandez à ces mères de prendre leurs enfants et de les apporter à l'extérieur. Mais les bénévoles eux-mêmes ne doivent pas être sévères ou réprimander ces enfants. Tous ces départements doivent connaître ce qui s'est passé. Les départements concernés doivent noter tout cela, écrire cela dans le livre rouge. Et si, à l'avenir, on organise la Jalsa, on doit avoir cela en tête, car si on ne prend pas de précautions, eh bien, cela va jeter de l'huile sur le feu. Et si vous voulez progresser, eh bien, vous devez faire preuve de sérieux. Et certainement, nous devons progresser. Ainsi donc, les organisateurs doivent être vigilants à ce sujet. Par la grâce de Dieu, nous avons reçu des félicitations du monde entier. On a félicité aussi les bénévoles de la MTA. Tous les Ahmadis du monde entier sont reconnaissants envers les bénévoles de la MTA, car grâce à cela, ils ont participé dans la Jalsa. Ils ont eu l'occasion de voir la Jalsa. Cette année-ci, il y a eu d'autres programmes en sus du programme de la Jalsa. Et les gens ont loué ces programmes. Je n'ai pas regardé cela moi-même, mais ils ont dit que ces programmes, ces émissions étaient très bien faits, ces reportages étaient très bien faits. Qu'Allah récompense toutes ces personnes qui ont préparé ces reportages et ces personnes qui ont participé dans ces reportages. Ces personnes qui, durant ces jours, ont fait en sorte que le monde puisse s'accrocher à la MTA. La MTA Al-Arabiya a transmis aussi ces émissions en direct. Cette année-ci, comme je l'ai dit, la MTA a élargi son champ d'action grâce à l'Internet. Et selon le rapport, il y a plus de 300 000 personnes qui ont regardé les programmes de la Jalsa grâce à l'Internet. En tout cas, nous avons reçu d'innombrables faveurs. Ceux qui ont participé à la Jalsa en ont fait le constat. Les gens ont profité de cela grâce à l'Internet. Qu'Allah nous accorde davantage de ses faveurs et qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui lui sont véritablement reconnaissants.
que ses faveurs perdurent pour toujours et que nous puissions recevoir davantage de faveurs à l'avenir. Priez beaucoup pour le monde musulman. Priez beaucoup pour la Oumma, car ces personnes sont en train de s'empêtrer dans un bourbier. Cela est en raison de leur convoitise, cela est en raison de leur désir égoïste, cela est en raison aussi de ces forces anti-islamiques qui veulent toujours créer le désarroi parmi ces musulmans. Et ces musulmans ne comprennent même pas ce qui se passe avec eux. En toute connaissance de cause, ils sont en train de créer ces moments pour créer des troubles. Et les musulmans, au lieu de faire preuve d'une bonne réaction, sont en train de se mettre en grande difficulté. Qu'Allah les protège. Priez beaucoup pour les musulmans. Qu'Allah accorde l'intelligence nécessaire à la Oumma afin qu'ils puissent suivre l'enseignement de Dieu et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après la prière de Jumma, je vais diriger la prière funéraire de quelques personnes, parmi lesquelles il y a une personne qui est présente. Et il y a un enseignant de la Talim Islam College qui habitait à Sheffield. Il est décédé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et il avait embrassé l'Ahmadiyya en 1960 après la prédication de son oncle, et il est venu à Rabwa afin de travailler pour la communauté. Il a travaillé dans l'école primaire de la communauté, il a travaillé aussi dans l'école secondaire. C'était une personne très pieuse. Il avait occupé plusieurs postes au sein de la Jamaat. Il a servi la Jamaat en différentes capacités et il habitait à Sheffield depuis quelque temps. Et il était secrétaire Wasaya de la Jamaat locale. Il aimait prêcher le message de l'Ahmadiyya. Sa mère et son frère ont embrassé l'Ahmadiyya grâce à lui. Et il a prêché le message de l'Ahmadiyya à Rabwa et dans ses alentours. Et il a dû faire face à des procès aussi en raison de ses efforts. Il avait étudié des ouvrages du Messie Premier alayhi salam. Il se souvenait de certaines références par cœur. Il avait un très grand amour pour le califat. Il a laissé 3 fils et 2 filles derrière lui. Un de ses frères est un missionnaire et qui travaille à Manchester. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Mokaram Nawaz Sahab. En 1950, son père avait embrassé l'Ahmadiyya sur les mains du deuxième calife. Il était un illettré, son père, mais il était très sincère. Le défunt a travaillé au sein de la police. Et ainsi, il était très proche de la Jamaat, lui et ses parents. Et on pense qu'il travaille à Karachi depuis quelque temps. Il était à moto. Lorsque 2 personnes qui étaient à moto lui ont tiré dessus, il a reçu une balle à la tête et il est décédé sur le coup. On pense que c'est en raison de leur animosité à l'égard de la Jamaat qu'il a été tué. Qu'Allah accorde patience et persévérance à ses enfants. Il a travaillé dans plusieurs départements et les gens ont loué ses qualités. Il a laissé 2 fils, il a laissé aussi sa femme et 3 filles derrière lui. Qu'Allah accorde son pardon aux défunts. Qu'Allah exalte son statut. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Mokarrama Mariam Koryaba, qui était la Sadal Lajna Imaila de la Gambie. Elle a servi à ce poste depuis longtemps et elle est décédée dans la nuit du 7 au 8 août. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Une semaine auparavant, elle était tombée gravement malade. Elle était à l'hôpital, mais elle n'a pas recouvré sa santé. La défunte était aussi l'épouse de l'ancien amir de la Gambie. Et la situation était difficile là-bas, en Gambie. Et pendant 13 ans, donc, elle a servi en tant que présidente de la Lajna. Et elle a renforcé la Lajna Imaïla. Elle a lancé les premiers Ijtema. Et elle a très bien organisé le système de la Jalsa, de la Lajna. Ainsi, c'est une dame très sincère qui faisait toujours des efforts pour faire en sorte que les membres de la Lajna participent dans les sacrifices financiers. Elle-même, elle a fait beaucoup de sacrifices financiers. Je vais diriger la prière funéraire de toutes ces personnes après la prière Jumma. Je vais partir en bas pour la prière funéraire de cette personne et vous allez prier avec moi. صدر کے طور پر کام کرتی رہیں اس لیے 13 سال کا لمبا عرصہ ان کو صدارت کی توفیق ملی لحاظ سے لجنہ کو انہوں نے مضبوط کیا اجتماعات کا آغاز کیا بڑا آرگنائز کیا لجنہ کو انہوں نے جماعت کی ہر خدمت پر لبیک کہنے والی تھیں بڑی سادہ اور منتصر مزاج اور محنت کرنے والی خاتون تھی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی لجنہ مائلہ مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور خود بھی بہت قربانی کرنے والی تھیں اللہ تعالیٰ مرحوما کے درجات بلند فرمائے جیسا کہ میں نے کہا ان سب کا نماز جنازہ ابھی ادا کی جائے گی ایک جنازہ حاضر ہے جو میں نمازوں کے بعد میں نیچے جاؤں گا نماز جنازے کے لیے اب آپ یہیں مسجد میں رہیں اور جنازہ ادا کریں میرے ساتھ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر